Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening. Aujourd'hui, nous allons parler de la bannière annoncée cette semaine. Nous allons également parler de 2-3 petites news concernant Aiolia GC principalement. Et nous allons aussi parler de Huawei qui se mobilise encore une fois pour les 1 an du jeu pour faire profiter la communauté. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à bombarder la barre de pouces bleus. Très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous découvrez la chaîne, et activer la petite cloche de notification qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, et vous pouvez aussi, tout simplement, vous sub à la chaîne YouTube si vous souhaitez apporter un autre soutien en plus de tout ça. Du coup, on va attaquer d'abord par Huawei. Huawei qui se mobilise encore une fois, pour la communauté Senseiya Awakening, qui fait en sorte, tout simplement, de faire plaisir et aux cash players, et même aux free-to-play. Avant de montrer pourquoi aux cash players, mais je vais aussi parler des free-to-play, c'est-à-dire que Huawei m'a fourni encore des cartes à vous faire gagner, des cartes Huawei Point que vous pouvez réutiliser dans le jeu, et ces cartes, je vous les offrirai en partie, ou peut-être toutes, dans le live de jeudi soir à 21h. 21h, soyez présents, je ferai de toute façon une annonce sur les réseaux sociaux. Il y aura des cartes Huawei à gagner. On va maintenant passer sur la grosse annonce pour les cash players un petit peu plus, ça c'est normal, mais que je retrouve l'affichage, il est là. Hop, Senseiya Awakening, premier anniversaire, 2 semaines de fête sur l'App Galerie, tous vos achats remboursés jusqu'à 50% du 9 septembre au 24 septembre. Clairement, j'ai déjà une partie des infos au moment où j'enregistre, je n'ai pas encore la deuxième semaine, mais la première semaine va se passer tout simplement du 9, le 9 et le 10. Eh bien, vous aurez 50% de cashback, c'est-à-dire que vous dépensez 20€ par rapport à l'App Galerie, donc vous passez par l'App Galerie, vous dépensez 20€ sur Senseiya Awakening, vous avez 10€ de remboursé en Huawei Point que vous pouvez remettre dans le jeu directement. Et ça, jusqu'au 16. Et ça, le 9 et le 10, pardon, et du 11 au 16, vous avez 30% de cashback. Ces 30%-là, c'est le même principe que les 50%, à hauteur un peu moindre, 30% de remboursement en cashback sur l'App Galerie. À partir du 17, jusqu'au 24, je n'ai pas encore les informations, ça ne saurait tarder, Huawei ne nous a pas encore tout transmis, mais ils nous ont déjà transmis tout ça, et comme il y a le retour des coupons x2, autant partager l'information tout de suite pour les premiers jours. Donc là, retour des coupons x2 pour les cash players, le 9 et le 10, vous avez 50% de cashback. On va maintenant passer tout simplement sur la page Facebook Senseiya KOTZ, où on a l'annonce de la bannière, et comme vous le voyez, c'est une bannière avec les armures divines. Les scènes en tissu divin. Pendant l'événement, la chance d'obtenir des scènes en tissu divin, donc que ce soit Seiya Godclose, Shiryu Godclose, Shun Godclose, Ikki Godclose et Aiolia Godclose est prête pour une durée limitée. Donc je pense qu'ils ont juste oublié le taux augmenté, mais pour moi c'est un taux augmenté. 1. Le tissu divin d'Aiolia peut être invoqué après l'avoir obtenu actuellement. La boutique d'échange d'anniversaire est la seule façon d'obtenir le tissu divin d'Aiolia. Clairement, ça, c'est assez important. On sait qu'on va avoir un event où on va pouvoir récupérer au moins une fois le Aiolia Godclose. Une fois que vous l'avez récupéré, si vous invoquez sur cette bannière-là, vous avez des chances d'avoir des doublons. N'oubliez pas de participer aux événements d'échange. Les bugs du chapitre 35 seront corrigés après la maintenance de mercredi. Ça, c'est un petit peu en plus. Mais voilà, la bannière est là. Donc, une fois que vous avez fait les niveaux, tout simplement, vous pouvez échanger après et avoir le Aiolia Godclose. Si vous invoquez, vous avez des chances d'avoir Aiolia Godclose en plus de Shiryu, Shun, Seiya et Ikki. Si vous ne l'avez pas récupéré, vous n'aurez pas Aiolia dans la bannière. Donc vraiment, pour ceux qui invoquent pour avoir des doublons d'Aiolia, on ne sait jamais, faites-le uniquement une fois que vous avez déjà un exemplaire. Clairement, je ne vous conseille peut-être pas d'invoquer quand même sur cette bannière-là, vraiment pas. C'est une bannière pour vous faire un peu dépenser des gemmes avant la grosse bannière qui est annoncée tout simplement en dessous. Puisqu'en dessous, on nous annonce clairement, Eupicus, d'Odysseus, tout simplement le 16,
si je dis pas de bêtises, voilà, le 16 septembre, qui est donc annoncé officiellement. Ça y est, c'est officiel. Odysseus sera là à partir du 16 septembre, c'est-à-dire à la fin des 30% de cashback que je vous ai annoncé, des 50% pour le 9 et le 10. D'où l'intérêt, peut-être tout simplement, de faire votre préparation de cashplay, d'utiliser le cashback en prévision d'Odysseus, tout en gardant eh bien, en tête que la bannière, vous pouvez avoir à Iulia GC si ça vous intéresse. Je pense à l'ami Furyu qui clairement doit être en PLS à l'heure actuelle, puisqu'on ne sait pas si on va avoir d'autres doublons d'Iulia en plus de tout ça. Et du coup, après, on aura directement Eufikus Odysseus, le premier UX Sen, qui arrivera lui le 16 septembre. Donc voilà, en soit, une petite vidéo rapide pour la bannière, puisqu'il y aura le live jeudi où je vous offrirai les cartes Huawei. Il y aura également pas mal d'infos à partir de mercredi, donc restez à l'écoute. Nous, pour cette vidéo, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager les infos. 9 et 10, 50% de cashback. Le 11 au 16, 30% de cashback. Iulia disponible après la bannière. Et Eufikus qui arrivera juste derrière. Sur ce, moi, je vous laisse là. Prenez soin de vous.